Merci d'être venu. Je prends des médicaments. Je suis moi-même. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, vous vouliez me voir? Je... Comment allez-vous? Docteur Turner, je suis vraiment désolée. Je vous en prie, dites-moi que vous savez que ce n'est pas moi qui ai pu vous faire ça. Dites-moi que vous le savez. Pourquoi? Pour que je sois sûre que vous compreniez que je ne suis pas un monstre. C'est pour ça que vous vouliez me voir? Pour ça. Et je veux aussi que vous témoigniez. Quand ils ont entendu le témoignage du docteur Wilder, je sais que les jurés m'ont vu comme un monstre. Et vous pensez que ma déposition y changerait quoi que ce soit? Je crois que si vous témoignez, les jurés sauront. Ils sauront que j'étais folle cette nuit-là. Et donc vous éviterez la prison? Ça m'aidera en rien, la prison. Ça sera pire, je redeviendrai folle. Je ne veux plus jamais redevenir folle. Jamais. J'ai peur de ça, j'ai peur. J'ai peur de la personne qui a commis cet acte. C'est pas pour éviter une condamnation, j'ai juste... J'ai juste besoin qu'on m'aide, que quelqu'un soit à mes côtés. Vous m'avez étripé comme un porc. Vous avez pris mon bébé à l'intérieur de mon corps. Vous m'avez laissé baigner dans mon sang et vous me demandez d'être de votre côté. Je devrais me contenter de savoir à quel point vous êtes désolé. Après ce que j'ai enduré, je devrais m'inquiéter de votre sort. Vous avez fait de ma vie un enfer. Vous m'avez rendue pratiquement folle. Et là, vous essayez d'obtenir un pardon de ma part. Je vous en prie, docteur Turner. S'il vous plaît. Docteur Turner, s'il vous plaît.